Vic Cotroni, l'ancien architecte du monde interlope montréalais. Pendant un demi-siècle, ses talents de corrupteur ont atteint les plus hautes sphères de la société. Hey, can I help you, sir? Lieutenant Latraverse. Lieutenant, there's someone here to see you. It's Vic Cotroni. On disait qu'il touchait à tout, mais qu'il ne laissait jamais d'empreinte digitale. Mr. Cotroni. Come to you for a favor. Come to my office. L'homme qui avait autrefois une influence mondiale en est réduit à se présenter au poste de police pour demander de l'aide. I can help you. But in return, you need to help me. I need to know about your world. From the beginning. Vic Cotroni a mené une vie extraordinaire et enveloppée de mystères. Il est le seul homme qui sait tout de la pègre montréalaise. En 1924, le port de Montréal était la porte d'entrée d'une ville que certains décrivaient comme l'une des plus dépravées de la planète. C'était Babylone, sur la rive du Saint-Laurent. Montréal était une ville superbe, grande et animée. C'était un endroit où les parrains aimaient vivre et s'amuser. Il y régnait une ambiance favorable à la vie nocturne qui leur plaisait. Naturellement, on a vu apparaître des bordels, des bars clandestins et des boîtes de nuit extravagantes. Tous des établissements qui attiraient des criminels de grande envergure. C'est le contexte idéal pour ce qui est devenu la capitale nord-américaine de la contrebande. Pendant la Prohibition, Montréal désaltère un continent mis à sec. Dans les années 1920, alors que la Prohibition régnait aux États-Unis, toutes sortes de touristes venaient s'imbiber d'alcool à Montréal. La ville était très animée, contrairement à celle du reste du pays, qui était plutôt grise et solennelle. C'est sur la rive de cette ville du péché qu'arrive la famille Cotroni. Vic, le fils aîné, prend vite goût au Nouveau Monde. Vic Cotroni est arrivé au Canada avec sa famille alors qu'il n'était qu'un jeune homme. Il était âgé de 14 ans quand ils se sont installés à Montréal. C'était un garçon futé. Il savait repérer les différentes opportunités d'affaires et il en profitait. Les chantiers navals de Montréal sont actifs jour et nuit. Question de suivre le rythme de l'industrie de la contrebande qui rapporte des millions de dollars. Le jeune Vic se joint à la machine en passant de l'alcool aux États-Unis. Come on! What's taking you guys so long? You're killing us. He's way a ton. Hey, who's this new kid? I don't know. He's amazing. What's his name? It's, Cotroni. That's it. Cotroni. Yeah. C'est sans doute son enthousiasme et son intelligence qui l'ont mené auprès d'Armand Courville, un personnage très coloré aux intérêts très variés. P.T. Barnum type of guy. Hey, Cotroni! Come here for a minute. I'm Armand Courville. You ever wrestled before? No. Come here. Courville fait entrer Cotroni dans le monde de la lutte professionnelle. C'est l'un des sports les plus populaires à Montréal dans les années 30. Vic Cotroni apprend vite. Il se fait appeler Vic Vincent. Vic Cotroni était un homme de petite taille, mais costaud. Il n'aurait pas été étonnant de voir sa photo sur une des petites cartes présentant des phénomènes de la nature. C'était un dur qui se mesurait des lutteurs bien plus grands que lui. Courville
Courville s'intéresse aussi à Vic pour d'autres raisons. Il compte sur ses aptitudes pour l'aider à gérer ses autres affaires. Vic Cotroney était le candidat idéal pour un poste d'homme de main, en raison du milieu mouvementé dans lequel il évoluait. Il connaissait le jeu, la contrebande, les bagarres. Il était menaçant tout en restant décontracté. Il avait une certaine prestance. Vic Cotroney travaillait sur le terrain. Il a commencé par être la brute de service, l'homme qui comblait certains besoins. D'abord petit contrebandier, il s'est recyclé en lutteur professionnel plutôt moyen. Puis, à la fin des années 1930, il est devenu un criminel prometteur. Dans les années 30, Vic s'associe à Courville pour prendre part aux profits générés par les nombreux vices offerts à Montréal. Les policiers et les politiciens corrompus sont essentiels à la sauvegarde des activités du crime organisé. Pendant les élections, Vic est le premier à se présenter aux urnes. À l'aide de bâtons de baseball, il fait en sorte que tous les votes soient comptabilisés. Tous les partis embauchaient des brutes qui attaquaient les bureaux de vote. Les hommes faisaient irruption dans les bureaux, puis ils inséraient de faux bulletins dans les boîtes de scrutin, ce qui altérait totalement le résultat. La violence était omniprésente. Les partis s'en prenaient les uns aux autres. C'était très dur et corrompu. Ainsi était le système électoral de l'époque. Ils sont passés de lutteurs à organisateurs politiques. Ce n'était pas un grand changement, puisque leur rôle consistait en partie à battre des gens au bureau de scrutin ou à les convaincre de voter pour le bon parti. Grâce aux résultats assurés des élections, les politiciens en place sont ceux qui vont permettre au trafic d'évoluer. Vic Cotroney vient d'avoir sa première leçon sur le pouvoir de la corruption. Il avait compris que l'avenir n'appartenait pas à ceux qui luttaient dans un ring, mais bien aux gens qui tissaient des liens avec les politiciens. À la fin des années 30, Courville et Cotroney s'étaient immiscés dans le monde des décideurs. Vic Cotroney monte en grade dans le monde de la pègre, devenant de plus en plus respecté des gens qui l'entourent. Par contre, la carrière de Vic Vincent, le lutteur, va bientôt se terminer. Une grave blessure met fin à la carrière d'homme de main de Vic. Vic avait sans doute compris que pour établir son autorité et rester longtemps dans le milieu, il allait devoir se servir de son intelligence. Au cours des deux décennies suivantes, Vic se taillera une place de choix dans le monde interlope. Il dirigera plusieurs des boîtes de nuit les plus courues de la ville. Ce sera une façade parfaite pour construire un empire du crime.
Vic Cotroni a fait du chemin depuis l'époque où il était contrebandier. Il est devenu l'un des propriétaires de boîtes de nuit ayant le plus de succès en ville. Dans les années 40 et 50, les affaires étaient prospères pour les propriétaires de cabarets. Les établissements étaient si nombreux qu'au centre-ville, on en trouvait à tous les coins de rue. Partout dans le monde, les mafiosi ont toujours aimé la vie nocturne et en ont toujours eu besoin. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs boîtes de nuit étaient gérées par les frères Cotroni, Vic en particulier. Le cabaret le plus populaire de Vic, le Faisan Doré, est devenu le quartier général de ses activités. Vic gérait lui-même 4, 5 ou 6 boîtes de nuit. Et c'était les meilleurs établissements du genre. Il était l'homme de la situation. C'était l'endroit le plus populaire à Montréal, peut-être même au Canada, et l'un des plus courus en Amérique du Nord à l'époque. Tout le monde allait au Faisan Doré, juges, politiciens, journalistes, policiers et hommes d'affaires inclus. Il offrait un divertissement de qualité. Vic Cotroni a fait sa réputation auprès de toutes les classes sociales grâce à sa situation de propriétaire de boîte de nuit, laquelle lui donnait l'allure d'un homme respectable. Tous les soirs, il côtoyait des personnages importants qu'il charmait grâce à son côté mielleux. Ces établissements étaient très courus. Ils attiraient des chanteurs populaires de la France ainsi que d'autres genres de personnes. Des mafiosi de Marseille et des trafiquants corses, par exemple. Le Faisan Doré était donc le quartier général de la mafia montréalaise. Et Vic Cotroni en était le propriétaire. Alors que Vic accueille l'élite montréalaise les bras ouverts, ses frères Frank et Pep s'occupent du côté sombre de la vie nocturne, permettant ainsi à Vic de paraître respectable. Durant toute sa vie, Vic s'est servi de ses frères pour s'isoler, les laissant faire la sale besogne. Pep Cotroni était le spécialiste des drogues. Frank était plutôt l'homme de main. Et Vic, de son côté, prétendait ne pas consommer ni vendre de la drogue. Comme il disait, ne battre personne. Quand il affirmait ne pas être impliqué dans ses activités, il n'était pas loin de la vérité. Ce soir, Pep reçoit des trafiquants européens en quête de moyens de faire passer de la drogue aux États-Unis. Puisque Pep était d'origine italienne et qu'il parlait français, il avait réussi à établir des liens avec les gens de Marseille. Les Italiens de New York n'y arrivaient pas en raison de la barrière linguistique. La meilleure héroïne du monde venait de Marseille. C'est pourquoi les Cotroni de Montréal sont devenus le lien unissant New York et Marseille. Ces hommes concluent un marché. Avec l'aide des Cotroni, Montréal deviendra la plaque tournante du trafic de drogue aux États-Unis. L'héroïne française y fera son entrée. Les affaires de Vic Cotroni allaient bon train à Montréal. Dans les années 50, il était tellement impliqué dans le narcotrafic que la mafia new-yorkaise s'est intéressée à lui. La famille Bonanno avait besoin de lui pour faire passer de la drogue via Montréal. Joe Bonanno y a donc envoyé le malfaiteur très connu, Carmen Galante. À l'époque, Carmen Galante était le sous-chef de la famille Bonanno. C'était un personnage puissant de la ville de New York. On disait qu'il était l'auteur de 80 meurtres. C'était un malfaisant.
Carmine Galante avait compris que d'immenses profits pouvaient être récoltés à Montréal en tant que ville, mais aussi en tant que lieu de passage d'héroïne. Carmine Galante is here. Your buddy Galante is here. Relax. You think that hurts? Look at me. You ever spill a drink in front of me again, I swear to you, I will put a gun to your head and blow your brains out. You got that? Look at me. Say you're sorry. Sorry. Say you're sorry, Mr. Galante. Sorry, Mr. Galante. Get out of here before you cause a scene. Everything okay, Mr. Galante? Things go a little crazy around here sometimes. En tentant d'accaparer une part du marché montréalais, Carmine Galante a su repérer les personnes influentes. Il s'est vite rendu compte de l'importance de Vic Cotroni. Carmine Galante s'est intéressé à Vic pour différentes raisons. C'était un gérant efficace et puissant qui pouvait employer la méthode forte et qui soudoyait des politiciens. La situation de Vic plaît grandement à Galante. Monsieur Cotroni connaît la ville et entretient des liens importants. Une alliance entre les mafias de New York et de Montréal voit rapidement le jour. Carmine Galante dirigeait les affaires de la famille Bonanno à Montréal, aux côtés de Vic Cotroni. En raison de la flexibilité de ce dernier, leur collaboration s'est bien déroulée. Les deux hommes deviennent amis et scellent leur amitié à travers une vieille tradition mafieuse. Chacun devient le parrain des enfants de l'autre. Mais un obstacle à leur relation surviendra en 1955. Éventuellement, il est devenu impossible pour Carmine Galante de rester au Canada. Des policiers des États-Unis avaient informé les Canadiens de sa véritable identité. Il a finalement été expulsé du pays. Carmine Galante et la famille Bodano se retrouvaient face à un dilemme. Soit ils abandonnaient leurs activités à Montréal, soit ils trouvaient un homme fiable qui allait pouvoir diriger leurs affaires sur place. On confie à Vic la tâche de protéger les intérêts de la mafia new-yorkaise à Montréal. Mais les policiers ne s'arrêtent pas à Galante. Ils traquent son associé, Frank Petrula, le responsable des pots de vin et du chantage de la mafia. On est allé fouiller la maison de Petrula. On y a trouvé 18 000 dollars américains en plus d'un carnet. Il contenait la liste des personnes qui avaient reçu des pots de vin. En tête, on pouvait lire les noms du chef de police, du chef des homicides et du chef des vols à main armée, accompagnés des montants qu'il recevait mensuellement. Frank Petrula tremblait de peur. Il avait fait l'erreur d'écrire des détails concernant ces personnes, corrompues ou pas. Plusieurs pots de vin étaient destinés à des politiciens, à des policiers. Petrula était un homme organisé, mais il ne se souvenait pas de tout. On ne l'a jamais revu. Il est sans doute dans le fond du fleuve. Dans ce temps-là, il était courant d'attacher un bloc de béton aux jambes des personnes desquelles la mafia voulait se débarrasser. Je soupçonne que c'est le sort qui lui a été réservé. Il a disparu. La liste de Petrula compromet les activités de Vic. La publication de la liste des personnes corrompues a mené un mouvement de réforme. Le genre de situation qui déplaît grandement au crime organisé. Le maire de Montréal, nouvellement élu, Jean Drapeau, se sert de cette information pour combattre la corruption dans la ville. Il a été le grand réformateur de la ville. À la fin des années 50, il a nettoyé Montréal. Il voulait se débarrasser de la drogue, des gangs, des boîtes de nuit et de la prostitution.
On ferme alors les bordels, les boîtes de nuit et les maisons de jeu. Même l'hôtel de ville et les rues sont nettoyées. Vers 1955, quand les bordels, les cabarets et les maisons de jeu ont été fermés, un auteur a écrit que la vieille dame avait perdu son rire de petite fille. Montréal ne serait plus jamais la même. Jean Drapeau est devenu un héros aux yeux de plusieurs membres de la communauté, mais pas de tous. En instaurant les mesures répressives qui allaient paralyser les activités du crime organisé, le nouveau maire vient de se faire un ennemi puissant en la personne de Vic Cotroni. En 1956, alors que les affaires de Vic Cotroni vont mal depuis 2 ans, le maire Drapeau tient ses promesses de nettoyer la ville du vice qui l'entache. Le milieu de la pègre fait appel à l'homme qui pourrait l'aider. Vers la fin des années 50, Cotroni était respecté des gens de la rue, tout comme des personnes honnêtes. C'était un homme d'envergure. Il dirigeait des boîtes de nuit, ainsi qu'un tas d'activités criminelles. Il était très bien placé pour s'attaquer à la réforme du maire de Montréal. Lors de la campagne de 1957 pour sa réélection, Jean Drapeau promet des mesures répressives encore plus sévères. Il vise l'élimination complète de la corruption. Mais Vic est prêt. Puisque la mafia est en colère, elle décide de s'impliquer vivement dans l'élection à venir. Pour elle, c'est le seul moyen de reprendre ses activités. Vic Cotroni était le maître de la corruption. Il pouvait acheter n'importe qui. Et si jamais il n'y arrivait pas, il trouvait la personne qui pouvait le faire. Dans le milieu, on dit que si on ne connaît pas la cible, il faut connaître celui qui la connaît. Vic investit dans une caisse électorale spéciale $2 million pour défaire les candidats du parti de Jean Drapeau. Ceux qui refusent ces pots de vin se font convaincre de ne pas se présenter aux urnes. I invite all the citizens of Montreal who have the right to vote to get out and vote. 28 octobre 1957, jour d'élection, une honte à la démocratie. Les brutes étaient postées à certains bureaux de vote, bâtons de baseball en main, afin d'effrayer les électeurs et de les empêcher de voter. Chaque parti rasiait la permanence de l'autre. Ils ont tous acheté des votes. Et on a vu la vieille mafia user de ses gros bras pour s'ingérer dans l'élection. Le directeur général des élections s'était plaint du déroulement du vote. On l'a kidnappé, conduit dans une ruelle, puis on lui a cassé les jambes en roulant dessus avec une voiture. Je me souviens encore de son nom, c'était le docteur Ruben Lévesque. Les Montréalais ne sont pas prêts d'oublier cette journée. 17 personnes ont été blessées par balles et un nombre incalculable ont été victimes d'agressions. Les résultats de l'élection sont compromis. Drapeau a perdu l'élection de 1957. Il était indigné. Il était convaincu que son adversaire avait triché. Les Montréalais ne s'étonnaient plus de rien en raison de la présence indéniable de corruption dans la ville. La mafia s'était prise en main et avait réussi à s'emparer du vote. Business good, Mr. Cotroni. That's some crazy election we had. La mafia souhaitait la reprise de ses activités. Et c'est ce qui s'est produit. Tout était bien organisé. La machine était parfaitement huilée. Après avoir facilité l'expulsion du maire réformateur et de son parti, Cotroni est devenu un homme de pouvoir et de prestige dans la ville. Certains avaient une dette envers lui. Vic Cotroni était devenu un héros dans le milieu de la pègre.
et un modèle à suivre pour les parrains de la mafia. Une fois son poste de parrain de la mafia montréalaise assuré, Vic peut consacrer plus de temps à sa vie privée. Comme plusieurs mafiosi, Vic avait une maîtresse. Cette femme, il l'a aimée presque toute sa vie. Ils ont même eu un fils ensemble. Ils l'ont appelé Nick, ou Nicodemo, du nom du père de Vic, qu'il aimait sincèrement. Il était fou de son garçon. Mais ce refuge contre le monde extérieur était sur le point d'être révélé. Vic Cotroni a été très discret durant toute sa vie. Mais au début des années 60, McLean's a publié une série de 5 articles sur la mafia. L'un d'entre eux était entièrement consacré à l'empire montréalais de Cotroni. On l'a même qualifié de parrain du Canada. Celui-ci était si convaincu d'être un homme intouchable qu'il a décidé de poursuivre le magazine en justice. À la surprise de tous, Vic met la revue au défi. Il entame une poursuite très en vue. Godfather of Canada, Your Honor, this man has an impeccable record. This is an insult. Your client's reputation speaks for itself. The settlement will stand. Il poursuivait McLean's pour diffamation et prétendait que sa réputation avait été injustement salie. La cour a évalué celle-ci et a conclu qu'elle ne valait rien au départ. C'était une grave erreur de poursuivre McLean's. Il avait intenté cette poursuite car il était certain qu'on ne pouvait rien contre lui en raison de tous les liens politiques qu'il entretenait. Mais il avait tort. C'est un revers embarrassant pour Vic. Le procès a mis en lumière sa maîtresse et leur fils. Il en sort encore plus déterminé à étendre son influence. La base de son pouvoir résidait dans sa capacité de corrompre les politiciens de niveau municipal et provincial. Certains disent qu'il avait soudoyé des membres du gouvernement fédéral, ce qui ne m'étonnerait guère. Vic sort alors son arme secrète, le chantage. Il connaissait des prostituées dont la clientèle se composait entre autres de politiciens. Il a su en tirer profit. Gerda Munsinger faisait partie de la branche du divertissement du crime organisé. Plusieurs de ses clients étaient des politiciens. Pierre Sévigny, un membre haut placé du Parlement, est pris au piège. Gerda Munsinger a mis plusieurs personnes dans l'embarras. On avait découvert que des membres importants du gouvernement fédéral avaient profité de ses faveurs. Ça a causé un énorme scandale. La carrière politique de Pierre Sévigny est ruinée. Ce scandale a démontré ce dont Cotroni était capable. Il pouvait ridiculiser ses victimes à outrance. Il aurait été plus charitable de les faire assassiner. Alors que Vic est à nouveau bien établi dans son poste de parrain de Montréal, la famille Bonanno à New York ne s'en sort pas aussi bien. Joe Bonanno, le père fondateur de cette famille mafieuse, avait dépassé les limites de son territoire à New York. Puisqu'il avait offensé les autres parrains, on le forçait à se retirer. Dans tout ce chambardement, la famille Bonanno tenait à conserver son pouvoir sur Montréal. Elle s'était rendue compte que la ville était la clé qui unissait les mafias américaines et européennes. Le parrain ennemi de Joe Bonanno, Stefano Magadino, dit le croque-mort, compte profiter de la faiblesse de ses rivaux pour mettre la main sur Montréal. Une guerre de gangs est imminente. Vic les convoque pour discuter, convaincu de pouvoir calmer les tensions. Plusieurs réunions se sont tenues pour discuter de la question de Montréal, à savoir si elle devait appartenir ou non à la famille Bonanno. Les clans se sont rencontrés à Hamilton et à Montréal afin de résoudre le problème.
Vic leur propose un compromis. Il est prêt à accueillir dans ses rangs la jeune vedette montante du clan Magadino, Paolo Violi. L'idée plaît à la famille de Buffalo. Les aptitudes de diplomate de Vic augmentent sa valeur dans le milieu. Un nombre grandissant de mafiosi de passage lui demande conseil. En 1968, les policiers traquent un fugitif recherché par le FBI. Ils l'arrêtent dans l'appartement de la maîtresse de Vic. Vic ne se fait pas arrêter, mais son fils est témoin de la scène. Monsieur Cotroni se promet de ne plus jamais lui faire vivre ce genre d'expérience. Vic ne voulait pas que son fils baigne dans le milieu. Il a donc envoyé sa maîtresse et leur garçon en Floride, là où il pouvait étudier et mener une vie meilleure. Il éloigne son garçon juste à temps. Le danger qu'il guette risque de causer sa perte. Vic Cotroni a régné sur le crime organisé à Montréal pendant plus de 20 ans. Mais à partir des années 70, il n'aura plus la chance de vivre dans l'ombre. La durée de la carrière criminelle de Cotroni est incroyable. Il était déjà actif dans les années 30. 40 ans plus tard, il était toujours un des acteurs principaux de la mafia à Montréal quand le FLQ l'a nommé dans son manifeste. Le FLQ parle de Vic Cotroni comme le manipulateur des élections, celui qui a le contrôle du gouvernement. Il était vu comme le symptôme de l'échec de la démocratie. Les élections étaient devenues insignifiantes par sa faute. Il avait transformé la démocratie en crime organisé. Ceux qui tentaient de changer la structure politique le considéraient comme le symbole de tout ce qui allait mal au Québec. Vic Cotroni était en désaccord avec les activités du FLQ, comme les attentats à la bombe. Ça perturbait ses affaires, ce qui était inacceptable à ses yeux. En octobre 1970, le FLQ attaque. Les enlèvements du ministre Pierre Laporte et du diplomate James Cross mènent à la loi sur les mesures de guerre qui paralysera la nation. Pendant la crise d'octobre, la famille Cotroni a offert au gouvernement de retrouver Pierre Laporte. Son offre a été refusée. La mafia détestait le côté radical et révolutionnaire du FLQ. En novembre, la crise s'estompe. Mais le parrain montréalais est toujours inquiet. Ayant atteint la soixantaine, Vic décide de se concentrer sur l'avenir de son organisation. Il convoque ses lieutenants à une réunion importante. L'heure était venue pour Vic Cotroni de nommer son bras droit. Il cherche l'homme le plus apte à diriger les activités de la rue. Il choisit Paolo Violi, celui qui a su mériter sa confiance au fil des années. Il a fait un choix controversé. Violi, qui était relativement nouveau sur la scène montréalaise, n'avait pas une organisation aussi solide que les Rizzuto. Nick Rizzuto dirige un important volet des activités de la famille Cotroni, celui de la drogue. Il est étonné de la décision de Vic. Niccolo Rizzuto, qui espérait avoir enfin la chance de diriger la famille, était frustré.
Il était respecté et très puissant. Sa réputation n'était plus à faire. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas se frotter à Nick Rizzuto. Mais Rizzuto respecte Cotroni. Il attendra, convaincu que son tour viendra. Même si Vic Cotroni quitte l'avant-scène, cela ne calmera pas les ardeurs d'un journaliste d'enquête qui voulait vérifier les allégations du FLQ à son sujet. À mes débuts au journal Le Devoir, j'ai découvert que des liens intéressants unissaient des personnes importantes. Certaines d'entre elles faisaient le pont entre des mafiosi et des politiciens. À l'époque, je ne pouvais pas écrire que tel homme faisait partie de la mafia, car les conséquences juridiques auraient compliqué les choses. Mais je pouvais établir des liens. Les évocations de corruption ne pouvant plus être ignorées, le gouvernement provincial est forcé d'agir en créant une commission d'enquête sur le crime au Québec. Mes découvertes et tout ce qui a suivi n'ont pas plu à la mafia. Le 1er mai 1973, on a voulu me faire taire. Chabrenon ? Oui, c'est moi. L'agression met le vent dans les voiles de la commission d'enquête. Au début des années 70, le gouvernement du Québec a créé une commission d'enquête sur le crime, qui suivait le modèle de ce qui avait été fait aux États-Unis pour régler le problème du crime organisé. Les mafiosi ont d'abord pensé que ce n'était qu'une affaire de relations publiques, que le seul fait de vouloir les ridiculiser à la télévision signifiait qu'on n'avait rien de concret contre eux. Ils croyaient que si les autorités avaient vraiment eu des preuves, elles les auraient déjà arrêtées. L'enquête sur le crime au Québec a été décisive, car elle a exposé le milieu du crime organisé. Vic Cotroni est le témoin vedette de la commission. Vic Cotroni aurait pu tirer son épingle du jeu s'il avait été plus jeune. Mais la commission l'a touché à un âge assez avancé. Il a fait fi de l'autorité de la cour. Il refusait de parler. Il affirmait que si on voulait l'envoyer en prison jusqu'à la fin de ses jours, il y irait. C'est pour ça qu'il était respecté de tous. Vic est accusé d'outrage au tribunal et condamné à 1 an de prison. À sa sortie en 1975, il doit affronter une situation délicate. Les Rizzuto tentent de créer leur propre réseau de trafic d'héroïne vers New York. Pour Violi, la réponse est simple. Rizzuto doit être assassiné. Mais cette manière de faire n'est pas celle de Vic. L'organisation des Rizzuto était une puissance en elle-même. Ils avaient une main-d'œuvre impressionnante et une présence incroyable dans la rue. Vic sait que si la famille se divise, une guerre s'ensuivra. Il propose de discuter pour résoudre le conflit. Violi et Rizzuto se rencontreront à maintes reprises, mais en vain. Cette impasse causait des ennuis à Cotroni qui voyait son autorité mise en doute. Paolo Violi était évidemment ennuyé. Les Rizzuto étaient embêtés puisque des gens tentaient de leur barrer la route pour prendre le contrôle de Montréal. Et ça ne plaisait pas non plus à la famille Bonanno à New York. Vic, l'homme d'affaires pacifique de Montréal, courait soudainement des risques. Paolo Violi et lui se plaignaient au Bonanno et leur demandaient de venir régler le problème. Violi s'est même rendu en Sicile pour discuter avec les parrains qui avaient une certaine emprise sur les Rizzuto. Vic Cotroni a tout fait pour qu'une entente soit conclue à l'amiable par des moyens pacifiques. Il avait réussi pendant des décennies. Il devait croire qu'il y arriverait une fois de plus. Mais ce conflit ne s'apaiserait pas avec des paroles. La solution résidait dans une victoire claire ou la mort. Les Rizzuto sont les premiers à agir. Ils assassinent les deux frères de Violi, ainsi qu'un de ses conseillers principaux.
Un de ses principaux lieutenants s'est fait tuer dans une salle de cinéma appartenant à Cotroni. On y présentait une version italienne du film Le Parrain. Puis, les frères de Paolo Violi ont été assassinés. Ainsi, on se débarrassait du second échelon de la famille Cotroni. Finalement, le bras droit et successeur de Vic Cotroni, Paolo Violi, est assassiné. Les enjeux étaient trop importants pour laisser quiconque, encore moins Violi, leur faire obstacle. Il était question d'héroïne, de marché d'une valeur d'un milliard de dollars. Même l'ami de Vic et allié provenant de la famille Bonanno, Carmine Galante, est pris dans le conflit. C'est l'une des victimes de la guerre pour le contrôle du narcotrafic à New York. Il avait su mesurer la gravité de la situation. Il connaissait les enjeux. Il a vu les changements qui s'opéraient à New York comme à Montréal. Il était présent aux obsèques de tous ces hommes. C'était assez pour lui ouvrir les yeux. Sa famille en déclin, Vic Cotroni perd le contrôle de la ville. Affaibli et vulnérable, il est prêt à faire face à son destin. Les Siciliens ont toujours respecté Vic Cotroni. Ils ne lui ont jamais mis de bâton dans les roues, ni tenté de s'immiscer dans ses affaires. Il était vu comme un homme d'honneur. Les Rizzuto entament leur règne sur la ville. Le vieux parrain est épargné. Si Vic Cotroni avait été tué, on en ressentirait encore les contre-coups aujourd'hui. Il a commencé au bas de l'échelle de la contrebande, puis est devenu le parrain d'un des centres du crime organisé les plus importants au monde. L'âge et la maladie ont fini par rattraper Vic Cotroni. Il est atteint du cancer. J'ai reçu un appel de Vic Cotroni. Il me disait que l'homme âgé qu'il était devenu aimerait revoir son fils en Floride. Il m'a alors demandé si je pouvais faire en sorte qu'il puisse y aller malgré son interdiction de mettre les pieds aux États-Unis. I'm not allowed to go in the States. Mr. Cotroni. Come to you for a favor. Come in my office. Well, I said, could be arranged. Je lui ai répondu que je pouvais l'aider, mais à fort prix. He says, I'm ready to do. Il se disait prêt à tout pour revoir son fils. But I said, what are the things that we. Je lui ai alors fait savoir qu'il allait devoir répondre à mes questions. With you and question you. Look, I will help you. But isn't it time you talk about your life? You ask too much. My son is in Florida. I simply wish to visit. Quand je lui ai posé des questions sur différents meurtres et leurs auteurs, il m'a répondu qu'il ne pouvait pas en parler. I can't answer these questions. At least tell me about Montreal. Who controls it now? I'm sorry. It's not our way. Then, I can't help you. Look, this is not the deal that we have going here. Je lui ai dit qu'il ne respectait pas notre entente et que s'il voulait revoir son fils, il allait devoir répondre à toutes mes questions. Il m'a répondu qu'il ne pouvait rien dire sur les sujets que je voulais aborder. Je lui ai fait comprendre que dans ce cas, il allait mourir avant de voir son fils. Il m'a répondu que c'est ce qui allait se passer. This is how it's going to be then. Vic Cotroni n'était plus le manipulateur. Il était même incapable d'éviter que son fils suive ses traces. Nicodemo Cotroni sera entraîné dans l'univers du crime organisé. Vic Cotroni gardera ses secrets jusqu'à sa mort. Le 8 septembre 1984, Vic Cotroni devient l'un des rares mafiosi à mourir paisiblement dans son sommeil.